بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction sur le module capteur et chaîne de mesure, soit pour l'essence 3, automatique, électronique ou bien télécommunication. Donc, c'est un examen de durée 1 heure et les documents sont non autorisés. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez une thermistance. C'est un capteur résistif à base de matériaux semi-conducteurs. Nous avons sa résistance varie fortement avec la température selon la loi suivante. Vous avez R de T égale R0 du exponentiel B de 1 sur T moins 1 sur T0. Avec B, c'est un coefficient spécifique. T, c'est la température absolue en Kelvin et R0, c'est la résistance à la température absolue. T0 égale à 0 degrés Celsius. Donc, selon les matériaux employés par le constructeur, il est possible de réaliser différentes valeurs de B et R0. La première question, quelle est la température du zéro de mesure? Deuxièmement, le capteur est plongé dans un bain à 0 degré Celsius. La mesure avec un ohmmètre donne une mesure R de 0 degré Celsius égale 998,2 ohms. Quelle est la valeur de R0 définie par cette expérience? Nous avons appris que le bain est ensuite porté à la température de 50 degrés Celsius. Et la nouvelle mesure, c'est R de 50 degrés Celsius égale 315,7 ohms. On vous demande de déterminer B, la valeur et unité de mesure. Maintenant, pour déterminer avec une meilleure précision les valeurs de ces paramètres, on va réaliser un relevé complet de la résistance pour une étendue de mesure de 0 à 100 degrés Celsius. Nous avons la température en degrés Celsius égale pour 0, la résistance totale en résistance en fonction de la température en ohms, ça sera 998,5. Pour une température de 10 R, ça sera 761,8. Pour 20, nous avons 588,9. Pour 30, nous avons 480,4. Pour 40, nous avons 383,5. Pour 50, 310,7. Et pour 60, nous avons 251,7. Pour 70, nous avons 218,0. Pour 80, nous avons 179,4. Pour 90, nous avons 158,8. Et pour 100, nous avons 141,3. On vous demande de tracer soigneusement le graphe de la réponse du capteur. Est-ce que la caractéristique est-elle linéaire ou non? Deuxièmement, quelle est sa sensibilité pour T égale à 20 degrés Celsius et pour T égale à 50 degrés Celsius? On vous demande les valeurs et les unités et est-ce que le capteur est-il linéaire? On vous demande d'utiliser pour le calcul de la sensibilité le point T en degrés, I, les deux points, T, le point I plus 1, et T en degrés, le point I moins 1. On vous demande de tracer soigneusement la courbe logarithme numérien de R en fonction de 1 sur T. On vous demande de noter d'abord dans un tableau les valeurs de logarithme libérien de R et de 1 sur T. En utilisant l'expression de RT, justifiez que cette courbe, c'est une droite de formule logarithme libérien de R égale à A plus B sur T. Et à partir de cette droite, en déduire la valeur de B, déterminez ensuite la valeur de A et on vous demande de déduire la valeur de R0, sachant que vous devez préciser les unités. On passe la correction, après on va passer les deux autres exercices. Donc, d'après l'équation du capteur, nous avons R de T égale à R0, exponentielle B de 1 sur T moins 1 sur T0.
La première question vous demande la température du zéro de mesure. Donc, pour 0 degré Celsius, nous avons 213, 73,15 Kelvin. La deuxième question, donc, à 0 degré Celsius, nous avons R de T, 0 égale à 0 degré Celsius égale R0 exponentielle B, 1 sur T0 moins 1 sur T0. Donc, c'est égal à 998,2 ohms, ce qui donne la valeur de R0, ça sera, parce que nous avons exponentielle 0, c'est 1, donc ça reste R0 égale 998,2 ohms. Maintenant, à 50 degrés Celsius, nous avons R de T égale à 50 degrés Celsius, qui est égal à R0 exponentielle B1 sur T moins 1 sur T0, donc qui est égal à 315,7 ohms. Bien sûr, ce qui est réécrit comme suit, nous avons logarithme weberien de 315,7, ça sera logarithme weberien de R0 plus B1 sur la température 50 degrés moins 1 sur T0. On va remplacer, on trouve la valeur de B égale 2032,2 Kelvin. Voici le graphe de la résistance en fonction de la température, sachant que la température en Kelvin est la résistance en ohm. Donc, vous avez l'échelle X et l'échelle Y. Donc, la courbe, c'est résistance en fonction de température. Vous aurez deux points pour un bon tracé. D'après la courbe, nous avons que la caractéristique n'est pas linéaire. On passe deuxièmement au calcul de la sensibilité. Nous avons pour T égale à 20 degrés Celsius et pour T égale à 50 degrés Celsius, on vous demande les valeurs et les unités. On va utiliser la formule de la sensibilité pour une température I. Ça sera la variation de la résistance divisée par la variation de température. Donc, ça sera la résistance sur le point I plus 1 moins la résistance de I moins 1 divisé par la température de I plus 1 moins R de I moins 1. Bien sûr, ce qui donne S de 20 égale 480,4 moins 761,8 divisé par 30 moins 10. En tout, vous aurez moins 14,07 ohms sur degré Celsius. Donc, ça sera moins 0,9599 ohms sur Kelvin. On fait la même chose pour la sensibilité, la température T égale à 50 degrés. Donc, ça sera 251,7 moins 383,5 divisé par 60 moins 40. Donc, ça sera moins 6,59 ohms sur degré Celsius. Donc, ça sera moins 0,4496 ohms sur Kelvin. Nous avons que la courbe n'est pas linéaire car la sensibilité n'est pas une constante, tout simplement. Maintenant, la courbe de logarithme weberien de R en fonction de 1 sur T. On va commencer par calculer les valeurs de logarithme weberien de R et 1 sur T. Donc, vous avez les valeurs suivantes tracées dans le tableau, sachant que le tracé est dans la figure suivante. Donc, vous avez l'échelle Y, logarithme weberien de R, et l'échelle X, la température. 1 sur T, l'inverse de la température. On passe à la justification de la forme de la courbe. Nous avons que R de T, ça sera R0 exponentielle B de 1 sur T moins 1 sur T0. Si on va appliquer logarithme weberien à cette équation, on aura logarithme weberien de R, ça sera logarithme weberien de R0 plus B de 1 sur T moins 1 sur T0. On peut écrire la forme logarithme weberien de R égale logarithme weberien de R0 moins B sur T0 plus B sur T. On aura dans ce cas logarithme weberien de R égale à A plus B sur T, sachant que A égale tout simplement logarithme weberien de R0 moins B sur T0. Pour déterminer les valeurs de B, A et de R0 à partir de la courbe, nous avons que la valeur de B, c'est la pente de la courbe. On va l'exprimer par une droite passant par les deux points d'extrémité.
Par exemple, vous prenez les valeurs suivantes. Pour arriver à B égale 1955,4 Kelvin. Maintenant, pour le calcul de la valeur de A à partir d'un point choisi de la courbe, donc par exemple, vous choisissez R0 et 1 sur T0, vous obtenez logarithme de R0 égale 6,9063 est égal à A plus 1955,4 multiplié par 0,0035. Après, vous trouvez la valeur de A égale moins 0,3287. Comme nous avons A égale logarithme neibérien de R0 moins B sur T0, dans ce cas, logarithme neibérien de R0, c'est A plus B sur T0 égale 6,8300. On va remplacer pour arriver à la valeur de R0 égale 925,2130 ohms. Sachant que toute autre valeur possible calculée, par exemple par moindre carré à partir des points logarithme neibérien de R et 1 sur T seront acceptées. Par exemple, si vous trouvez la valeur de B égale 2020,3 Kelvin et A égale moins 0,50338. On passe l'exercice numéro 2. Donc, la première question, on vous demande dans chaque cas suivant, déterminer la nature de la liaison, c'est-à-dire on vous demande la nature du signal qui existe entre les instruments. Vous avez le cas 1, quel type de liaison? Le cas 2, quel type de liaison? Le cas 3, quel type de liaison? Et le cas 4, quel type de liaison? Donc, la nature de la liaison dans chaque cas. Donc, vous avez le cas numéro 1, c'est le pneumatique. Le cas numéro 2, c'est l'hydraulique. Le cas numéro 3, c'est le numérique. Et le cas 4, c'est électrique, pardon. On passe toujours la deuxième partie de l'exercice numéro 2. On vous demande d'indiquer pour chaque cas suivant la nature de l'erreur commise par le capteur. Donc, vous avez le cas numéro 1, la courbe non linéaire s'adforme, la courbe exacte, c'est une droite qui passe par l'origine. Le cas numéro 2, le cas numéro 3, vous avez les deux courbes exactes et mesurées sont en parallèle. Le cas 4 ne sont pas parallèles. Donc, vous avez un point commun, le point 0. Donc, la nature de l'erreur dans chaque cas, nous avons le cas numéro 1, ce sont les erreurs de linéarité. Le cas numéro 2, les cas 10 et 6. Le cas numéro 3, les erreurs d'offset. Le cas numéro 4, ce sont les erreurs de gain. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On va proposer d'autres sujets avec correction dans les prochains jours, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.